comment faire pour pardonner les uns les autres. Quelqu'un a une idée? Dans Luc 17, versets 3 et 4, Jésus parle en parlant du pardon. Et c'est capital. David nous dit, verset 3, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi, 7 fois, dans un jour, et que cette fois il revient à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Amen. Amen. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Le pardon est une question de foi. Dieu nous le demande. Et la meilleure manière de pardonner, mes amis, prier pour la personne. Parce que généralement, c'est ton ennemi que tu penses le plus. Tu ne sais pas le rencontrer, tu penses à lui. Moins de ce que tu penses à lui. Mais si tu pries les pensées que tu as en lui, je crois que Dieu va enlever en nous ces pensées. Et dans le livre de Galates 5, je pense, l'apôtre Paul, au verset chapitre 5, je pense, verset 15 à 14, etc., Paul dit, ne vous mentez pas les uns les autres. Vous réunissez, vous vous mentez. Non. Pardonnez-vous les uns les autres. Donc c'est pour dire que le pardon est nécessaire, mes amis. Jésus dit dans Matthieu 6, quoi? Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont trop. De la manière à laquelle nous attendons à ce que Dieu nous pardonne, nous allons pardonner. Et Michel 7, 18 dit que Dieu prend nos péchés, les jette au fond de la mer, l'oublie. Si tu lui as pardonné et que tu mets toujours des embûches à ton frère, il y a un problème. Mes amis, on est un seul ennemi. C'est le diable. Shalom. Par rapport à la question du pardon, je veux pour ceux qui regardent, il faut préciser que le pardon est une conséquence de l'amour. Pour arriver à pardonner, il faut déjà manifester l'amour. Il y a des sujets de prières qui sont en fait des sujets de prières d'ignorance, c'est prier pour avoir l'amour. Le chrétien ne prie pas pour avoir l'amour, puisque Romains 5, 5 dit que l'espérance est trompée car l'amour est rejoint dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si vous êtes conscient que vous avez le Saint-Esprit en vous, vous ne pouvez pas avoir les problèmes d'amour. Et si vous n'avez pas de problèmes d'amour, la question du pardon ne se pose pas. Éphésiens 4, verset 32 dit, soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant les supporterons comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dieu ne peut pas demander de faire quelque chose que de donner nos capacités, dit Jacques. Ça veut dire que si on aborde la question du pardon, le pardon n'a rien à voir avec le fait de ne plus se sentir mal par rapport à l'offense. Le pardon est une décision. Ça veut dire que alors que vous avez encore mal, vous devez arriver à confesser que vous pardonnez à celui qui vous a offensé. Parce que si vous attendez de ne plus avoir mal, vous ne pouvez pas comprendre à quel moment vous avez pardonné ou pas. Amen. Amen. Donc, c'était une contribution par rapport à l'Église. Merci. Amen. Mais plus nous pratiquons, plus nous prenons à la parole de Dieu, plus l'amour de Dieu en nous grandit. Et nous pouvons facilement pardonner. Amen. Amen. Vous savez, il y a la CPL, n'est-ce pas? C'est un collègue des pasteurs et des hommes de Dieu. Quand on dit, retrouvons-nous le corps de Christ, on peut débattre de certaines choses. Entre leaders, c'est plus facile. Là, par exemple, nous avons ici des compagnons d'eux, n'est-ce pas? Certainement des leaders. On s'assoit, on discute. Le problème de ne pas considérer l'autre est un problème d'immaturité. La maturité veut que je considère l'enseignement de l'autre. La maturité veut que, s'il y a un souci, on vient. Nicodème, s'il vous plaît. Et allez trouver Jésus de nuit par sagesse. Il dit, c'est vrai, mais nous savons que personne ne peut faire ce que tu fais. Lisez Jean 7. À un moment, il va défendre Jésus. Il dit que notre loi ne condamne personne sans l'avoir envoyé. Mais mes amis, quand vous vous priez en vous-même, vous pouvez avoir une difficulté que personne ne pourra vous aider. C'est à votre père. Je répète, le corps de Christ ne se bat pas entre lui. Il se fait comprendre autour de la parole. Mais
le monde est notre champ de bataille. Le problème arrive, le pasteur Amour va intervenir, le problème arrive sur la question par avoir des leaders qui se divisent en points d'argent. Pour la petite histoire, aucun pasteur dans la Bible n'a géré les fonds. Les sacrificateurs ne géraient pas les fonds. Les lévites géraient les fonds. Et si nous lisons Deutéronome 14 et 22, Dieu dit pas une dîme de la dîme tu donneras aux sacrificateurs. Ils avaient un salaire. Mais le jour où tu gères les fonds, c'est pour ta perte. Géasi s'est perdu et n'a pas suffisé à Élisée à cause de l'argent. Balaam a aimé le salaire du péché. Il a enlevé la parole de Dieu à cause de l'argent. Mes amis, ils sont pleins dans la Bible. Je peux vous démontrer, pour des problèmes de foi, ils ont perdu le ciel. L'argent. Qu'est-ce que l'argent devant l'éternité? L'argent que tu as aujourd'hui, demain, tu as enterré même par erreur. Job a tout perdu en un jour. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, pour le nom de l'Éternel soit béni. Le problème, c'est qu'on oublie toujours que le monde, l'Église ne fonctionne pas de la même manière. Jésus a dit, il ne sera pas de vous comme dans le monde. Le plus grand parmi vous sera le serviteur de tout le monde. C'est l'Église. Jésus partait de village en village. Matthieu prêchait la bonne nouvelle avec les disciples. Jésus se mettait avec les disciples, il était le modèle. Sauf que vous n'avez pas un don d'évangélisation, ok, il n'y a pas de problème, pas un don d'exhortation. Mais sachez une chose, il y avait les trésoriers. Mais si vous ne voulez pas, mes amis, c'est la parole. Jésus dit, le seul fondement qui subsiste, c'est celui qui est basé sur la parole. Dès que vous avez enlevé ça, mes amis, c'est à votre père et à notre père. En tant qu'église, on perd. Parce que quelqu'un s'est converti, et il se repère. Judas s'est perdu à cause de l'argent. Lisez tout. La Bible dit qu'il gardait la bourse. Il n'était pas en peine des pauvres parce que c'était un voleur. La Bible dit ça. Lisez le texte. La femme qui avait fait la lune dans le bar, 300 deniers, c'était le prix sensiblement d'une année. Parce que quand tu travailles une journée, on te donnait un denier, 300 deniers. Mais Jésus dit, mais la femme là, elle a embaumé mon corps à l'avance. Et donc, toutes les générations, pour l'évangile, on parlera d'elle. Donc, la question même de la dîme, pour parenté, parce qu'on avait mis ce thème, mais apparemment, ce n'est pas quelque chose. Il y a un souci parce qu'on n'a pas assez de temps. La dîme, par exemple, c'est la Bible qui nous donne l'autorité en tant qu'église de prêcher au monde. Le monde reconnaît qu'il y a une autorité ecclésiastique. C'est une initiation de Jésus. Il a fait comme apôtre, etc. En Israël, il a mis les lévites et les sacrificateurs à part, n'est-ce pas? Il a dit, je leur donne toute dîme en Israël pour eux. La dîme, c'est pour permettre aux hommes de Dieu d'exercer et ne manquant de rien. Mais quand vous ne payez pas la dîme, mes amis, vous êtes en train de dire au royaume des ténèbres, gagne du terrain. C'est tout. La dîme est le principe que Dieu a choisi pour que vous ayez de l'argent en tant qu'homme de Dieu, pour vous ne manquez de rien. C'est votre part et prêchez la Bible. Mais quand les gens retiennent la dîme, en fait, c'est même pas avec l'homme de Dieu. Je ne dépends même pas un homme de Dieu, quoi que ce soit. Bibliquement parlant, la malédiction t'est donnée sur tes biens. Parce que Dieu dit, pour toi, je menace le dévoreur, pas l'homme de Dieu. Si lui-même il gère mal, regardez lui et ses fils. Dès qu'ils ont mal géré les offrandes de l'Éternel, Dieu les a frappés. Lui-même il se perd, mais pourquoi toi tu vas te perdre parce qu'il fait les choses avec une mauvaise gestion? Ta part à toi, c'est Jésus le modèle. Si vous payez les dîmes, ils ont de l'argent, ils prêchent la bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est pour dire qu'au royaume de Dieu, gagne du terrain et les adeptes. Il y a des endroits où on paie les évangélistes dans le monde d'aller prêcher où Christ n'est pas annoncé. Mais mes amis, imaginez-vous, quelqu'un retient la dîme, il retient ce qu'il a. Oh, le royaume de Dieu gagne les ténèbres. Les rosicruciens, le Rotary Club, etc. Ils mettent de l'argent, les moyens, ils séduisent les gens. C'est la servante de l'Éternel. Avec Daniel, on a eu affaire l'année passée une étude sur le grec et l'apprentissage. Avec un homme de Dieu, ça a été bénéfique. Ça leur a permis de mieux comprendre la Bible dans certains aspects, une recherche. Cette formation sera encore possible, je pense, en août prochain. Je pense que le docteur va arriver. Je pense qu'autant qu'on a, on pourra faire part à d'autres pour apprendre. On apprend pour notre bien et pour la gloire de Dieu. Oui, parce que...
déjà il nous reste une seule question. Est-ce qu'on doit manger? On doit revenir. Donc c'est une autre question. On ne participe pas. On pose des questions sur la possibilité qu'il y ait une espèce de plateforme. Sur comment réussir à. C'est ça la question. C'est ça. À se mettre ensemble avec des gens qui ont une opinion bizarre. Oui, c'est ça la question. Donc je voudrais simplement vous dire ceci. C'est un débat qui existe depuis longtemps. L'apôtre Paul dit que dans les derniers temps, il se lèvera des faux prophètes. Et la Bible dit d'abord que les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Première chose, ceux qui initient les fausses doctrines, ce sont des hérétiques. Ça veut dire les hommes qui s'éloignent de la doctrine officiellement établie. Donc il y a deux manières d'être hérétique. On est hérétique de manière consciente. Ça veut dire qu'on a les deux finités libres qu'ils ont pour Dieu leur vente. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que tous les thèmes qu'ils vont faire, c'est en rapport avec la puissance, en rapport avec les démons, en rapport avec les prophéties. C'est jamais en rapport avec la parole de Dieu. Donc quelqu'un comme ça ne peut pas accepter de venir s'asseoir pour discuter. Parce qu'il a déjà fait un choix. Et sans le savoir, il est motivé et influencé par des démons. Parce que parmi la catégorisation des démons, il y a des démons qui sont chargés d'influencer les fausses doctrines. Le combat que nous avons contre les faux pasteurs, ce n'est pas un combat contre les faux pasteurs, ni contre les faux prophètes, c'est un combat contre le diable qui influence ces personnes. Ce que nous avons, c'est qu'il y a des gens qui sont hérétiques, innocents et inconscients. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas, ils sont ignorants de leur ignorance. Ça veut dire les gens qui sont sur l'extrême et qui disent qu'on n'a pas besoin de se faire former l'esprit des ancêtres. Ça, c'est une catastrophe spirituelle. On ne peut pas être leader et se mettre à l'extrême et condamner la formation. Est-ce que Jésus a enseigné, est-ce que les disciples ont été formés? Oui, ils ont fait 3 ans de formation. Théorie et pratique. Donc, c'est un faux débat de dire que les disciples n'ont pas appris, ils ont appris. Jean pour décrire, il dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. Ce que nos mains ont touché concernant la vérité, nous vous l'avons annoncé. Donc, pour réussir à s'asseoir sur une table, il faut comprendre qu'on n'a pas d'intérêt à défendre. Le seul intérêt, c'est le Seigneur. Si les gens ont l'intérêt du Seigneur, ils vont s'asseoir. Et les gens qui n'ont pas l'intérêt pour le Seigneur ne tiendront pas. Mais dans ceux qui sont dans l'ignorance inconsciente, ils combattent encore la connaissance. C'est pourquoi tout ce qui est plateforme d'échange, ils n'en voient pas leur collaborateur, leur compagnon, ils ne viennent jamais. Et ils sont prêts à faire des programmes dans leurs églises, ils pensent qu'ils grandissent. Non. Donc il faut que les gens acceptent de renoncer à eux-mêmes pour remettre leur liberté entre les mains de Dieu. Je suis pasteur pour le corps. Je ne suis pas pasteur d'une communauté. Je suis pasteur du corps. Donc quand je suis pasteur du corps, je défends les intérêts du corps. Amen. C'est pourquoi je n'accepte pas de leur raison en termes de mon église, ma communauté. Amen. Mais non, il n'y a pas, comme disait quelqu'un, de vendeur sans acheteur. S'il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, c'est parce qu'il y a des faux filets. Oh yes. Oui. Dit, ils abandonneront la foi pour se tourner. Donc c'est en fait la pluralité des faux prophètes est liée à la pluralité des faux filets. Tout le monde cherche une prophétie, vous savez. Oui. Tout le monde cherche un mot, on va tout me dire. Tout le monde cherche une parole bizarre. Tout le monde cherche à tomber. Combien de disciples sont tombés et ont roulé au sol? L'Esprit de Dieu nous respecte suffisamment. Une dame est bien vêtue, elle est bien habillée dimanche. Vous l'avez maintenant rampé comme un chien dans l'église. Tous les jours, vous allez ramper, vous allez la voir dans l'église. Non. En fait, c'est aussi lié aux faux filets. En fait, plus que les pasteurs, la foi, comment ça marche? Tous les jours, les faux filets ont les offrandes des taureaux, les offrandes des chats. Ils sont des serpents. Ils ne peuvent pas venir. Ils sont devenus grands. Faux en même temps que les fidèles. Amen. Donc ce sont les fidèles qui cautionnent le fait qu'il y ait des faux pasteurs et des faux prophètes. Parce que vous êtes pris dans ces endroits-là. Vous donnez votre argent. Vous soutenez les œuvres. Une œuvre qui n'a pas la puissance, vous ne devez pas soutenir. C'est disant que les gens qui sont sérieux ne sont pas soutenus. Le ministère où c'est sérieux, parce que la parole, jamais vous n'avez pas les gens qui vont de leur cœur. Et là, on les manipule. Non, on crée des fausses prophéties. C'est là qu'on est l'argent sort. Donc c'est nous. Dieu, c'est nous. Dieu, c'est nous. Dieu, occasionnons ces choses-là.
On condamne ça alors que nous sommes nous-mêmes. Attends, vous avez déjà vu? Non, vous avez déjà vu? Si vous achetez, écoutez, si vous, il n'y a pas de, des acheteurs, les vendeurs sont achetés. Si vous avez sa marchandise, si vous n'achetez pas, il va retourner. Quelqu'un part du Congo ou du Nigeria, il va être au Congo stade. Le lendemain, il est à l'église. Voyez ça. Donc, il faut que vous compreniez que les gens ne veulent pas donner leur liberté au Seigneur. Ils ne sont pas libres. Personne n'est libre. Même Dieu n'est pas libre. Dans ce monde-là, personne n'est libre. Dieu a juré à Abraham. Dieu a juré. Et donc, malgré la désobéissance d'Israël, lorsque Dieu avait juré, il était donc lié à ça. Il est donc obligé de le faire. Mais nous, les chrétiens, on est libre. Et comment cette personne est libre? Donc, pour tuer ça, il faut tuer les faux fidèles. Si on réussit à tuer les faux fidèles, on va arriver au problème. Amen. Amen. Nous ne sommes pas ici pour régler le problème idéologique. Vous êtes conscients. Nous ne sommes pas ici pour régler les problèmes idéologiques. Ça, il faut vraiment faire attention. Nous sommes une plateforme pour parmi les compagnons de l'eau. J'aurais aimé que cela ne soit pas pour nous. Mais non, c'est pas grave. La question de la position de la femme varie selon l'interprétation que chacun fait des Écritures. Là encore, la bonne question de s'asseoir et étudier les textes est importante. Parce qu'on va répondre l'autre point à droite, l'autre point à gauche, l'autre point au milieu. Vous comprenez? Moi, quand je me suis performé, j'ai soutenu cette thématique biblique, par exemple. J'ai des arguments que je peux donner ici. Ce n'est pas ça la plateforme. Ce n'est pas le milieu qui s'y est. Ce que nous avons, vous voyez qu'on offre. Et comme ça, on n'est pas obligé. Sinon, on va tirer en longueur. Et on va pas manger. Le moment où on va aller faire les tissages. Donc, s'il te plaît, on va prendre ça après. Mais rassure-toi. Ce que je voulais que tu saches, c'est que la femme dans l'église, c'est 80%. Si tu fais le tour, apparemment tu as beaucoup sommé, tu as devenu le Seigneur. Il y a des choses que tu n'as pas délivré. Parce que tu t'es écrit. Tu peux jeûner, prier, c'est écrit. La femme dans l'église, c'est 80%. Amen. Toutes les églises de Libreville sont parties remplies. Je suis. Donc, tu les comprends de la manière pour comprendre les Écritures et on leur montre le chemin à suivre. Bon, la Bible est claire. Celui qui a feu ne conduit pas notre aveugle. Asseyons-nous, chrétiens, étudions la question de la femme pour que ça soit clair dans les esprits. Parce que là, les églises où les femmes sont assises à côté, c'est un côté. Je suis allé prêcher à Pentecôte, par exemple, vous savez, les étudiants, je suis allé à Pentecôte, je suis rentré, j'ai dit au pasteur, pour aujourd'hui, comme c'est moi qui prêche, parce que là-bas, les femmes sont à côté, les hommes sont à côté, aujourd'hui, comme c'est moi qui prêche, que toutes les femmes retrouvent leur mari. C'était choquant. Je me dis, comme c'est moi qui pêche. Parce que je ne pense pas que c'est convenable que les femmes soient écoutées, que les hommes soient écoutés. Mais c'est leur manière de voir les choses. Et ça ne va pas empêcher les gens d'aller au ciel. Qu'on se comprenne. Les questions des femmes ou des hommes n'empêcheront pas les gens d'aller au ciel. Mais ça peut tuer le potentiel de l'église. Parce que si l'église, c'est 80%, voilà. Mais une autre chose, est-ce que tous les ministères de femmes se résument à la prédication ou à l'interprétation? Parce qu'il y a aussi des sorcières prophétesses qui sortent, je ne sais pas d'où. Elles étaient gangas ailleurs, elles étaient prophétesses. Des gens comme ça, on va les faire taire. On ne combat pas leur ministère, on va les faire taire. Donc 80%, oui, mais est-ce que tout le monde doit prêcher? Est-ce que la femme doit prêcher? Ça, c'est étudié. Mais comme les gens n'ont pas l'amour de la vérité, comme les gens n'ont pas vérifié les Écritures, chacun donne, il dit. On a prié. On a une petite histoire. La femme samaritaine a été un témoin puissant de Jésus-Christ. C'est une femme qui a reçu le message de la résurrection de Jésus-Christ. C'est une femme en Israël avec Déborah. Quand un homme a fui un général a fui, il fut témoin. Disciples, femmes ou hommes, les disciples sont femmes et hommes. Galates 3, 27.
ni femme, ni juif, ni grec, ni gentil, tous un en Jésus-Christ. Amen. Bon, moi je ne sais pas si c'est la même vie. Mais un Corinthien et Timothée, c'est un problème de contexte. C'est un problème d'autorité. Paul dit, je ne permets pas à la femme de prendre autorité. Le mot utilisé, c'est exousia. Ça veut dire la femme n'a pas la souveraineté comme l'a un pasteur. C'est la femme. En tant qu'autorité où les hommes parfois commencent à enseigner. Problème de contexte et de traduction. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour tes enseignements. Bénis cette congrégation. Bénis chacun de tes enfants. Et qu'ils soient ouverts à tout frais. Qu'ils soient d'un autre membre d'une congrégation. Pour que le corps de Christ soit un et uni en Jésus-Christ. Nous prions, Père, que dans nos églises, nous soyons des fidèles témoins, des fidèles représentations de Christ pour prêcher un monde perdu. Seigneur, donne-nous l'appétit et donne-nous la force que demain nous puissions traduire dans nos différentes églises au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Posé par la force de loyauté. Qu'est-ce que donc la loyauté? Alléluia. Je vais simplement, je ne sais pas comment les choses se sont passées. Le pasteur a vu le débat, tout a saisi son particule, ça a disparu dans l'ordinateur. J'ai dit que je me suis moqué de dire que tu n'as pas prié. Satan est venu anticiper. Et donc, moi, j'ai fait la même chose, j'ai saisi et je suis allé sous la douche pour vouloir aller tirer. Et quand j'arrive, l'impression a disparu complètement. En fait, toute la saisie a disparu complètement. Ouais, peut-être que moi, je n'y ai pas. Et j'ai compris l'enjeu de ce programme. J'ai
Je parle beaucoup de la loyauté, mais je n'ai jamais enseigné sur la loyauté. Même à mes collaborateurs qui sont parmi vous, les meilleurs collaborateurs du monde, c'est une grâce pour moi tant que le Seigneur de les avoir. Compagnon d'eux. Merci. Et donc, quand j'ai fait la formation à l'église, j'avais utilisé un livre, le livre du Bishop Dagewalmi, Loyauté et déloyauté. Et je lisais et je commentais ce qui était écrit. Donc, je ne parlais pas de ce que le Seigneur avait enseigné sur la loyauté. Et quand j'ai saisi, j'ai entendu Dieu me dire, enseigne-leur tel que je te l'ai enseigné. Et quand le pasteur a disparu, frère, quand la cité a disparu, je ne comprenais pas. Ce n'est que hier, alors que je m'assieds, je me suis dit, ah, est-ce que ce n'était pas ça? Donc, de quoi vous allez voir que je n'ai que ma Bible, nous allons beaucoup lire, alléluia, et nous allons construire le plan de façon progressive. Suis-moi très bien, alléluia. Alors, qu'est-ce que la loyauté? Qu'est-ce que la loyauté? Par loyauté, nous faisons appel à la soumission volontaire à l'autorité. Nous définissons la loyauté comme la soumission volontaire à l'autorité. Il y a plusieurs types de loyauté. Plusieurs types de loyauté. La loyauté entre deux partenaires. Lorsque vous montez une affaire en entreprise et que vous êtes en partenariat, vous vous devez loyauté. Même dans le couple, vous vous devez loyauté. Alléluia. La loyauté du collaborateur envers le supérieur, c'est aussi un autre type de loyauté. C'est sur cette loyauté que je m'ai présenté. La loyauté du supérieur envers l'inférieur, parce que les leaders doivent loyauté à leurs compagnons d'eux. Amen. Mais comme la maturité voudrait que je parle aux compagnons d'œuvre, parce que c'est aux compagnons d'œuvre que j'ai affaire, donc je ne peux pas vous parler de la loyauté des leaders. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Et donc, c'est pourquoi il y a la loyauté aussi envers Dieu, qui est l'autorité supérieure au-dessus de toutes les autorités. À qui les leaders doivent loyauté. Donc, il y a des différents niveaux de loyauté. Alléluia. Donc, la loyauté, la soumission volontaire au dos à l'autorité. La soumission volontaire. La loyauté du mot hébreu Nifal, Nifal, Nifal. La loyauté de l'hébreu Nifal se traduit en français par fidélité, intégrité, transparence, fidélité, intégrité, transparence, et par extension, soumission, d'où la soumission volontaire à l'autorité. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, en fait, vous allez intervenir pour prophétiser. Et j'ai ri. Parce qu'il est question d'enseignement ici. Alléluia. Amen. Parce que mon peuple est depuis passé, il y a beaucoup de prophéties, n'est-ce pas? Non. Mm-hmm. Je vais faire ça pour voir de ceux qui ne suis pas. Mon peuple, le peuple est dit depuis parce qu'il lui manque la faute de. Donc il faut enseigner. Amen. Donc, le mot hébreu qui traduit loyauté, c'est Nifal. Qui signifie intégrité, qui signifie vérité, qui signifie transparence, qui signifie fidélité. Fidélité, transparence, intégrité. Alléluia. Donc l'Église a un problème parce qu'il y a l'absence de loyauté. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train d'aller progressivement parce que ça va aller vite et donc il faudrait que les fondements soient bien posés pour ne pas que la maison s'effondre. Alléluia. Amen. Les architectes savent que lorsqu'une maison s'effondre, la première chose qu'on vient constater, c'est quoi? Les fondations. On cherche les fondations. Donc, on est en train de poser les fondations.
Alléluia. Alors, si le sujet de la loyauté est si important, parce que comment un leader peut gérer, qu'est-ce qui fait que d'autres, nous avons le Saint-Esprit, d'autres ont des résultats et nous ne les avons pas. Des résultats en termes de croissance numérique, des résultats en termes de méga-church, des résultats en termes d'expansion. Comme je dis, à parler de l'expansion, mais vous ne pouvez pas vivre l'expansion sans loyauté. Parce qu'il a fallu que les disciples eux-mêmes soient loyaux à Jésus pour pouvoir aller dire que nous ne sommes pas le Christ, mais nous venons au nom de celui qui nous envoie. Rappelez-vous que lorsque Paul et Silas, non, Paul et Barnabas ont relevé le boiteux, on les a élevés à la dimension de Dieu. C'est par loyauté qu'ils ont dit, nous ne sommes pas ce que vous devez élever. Est-ce que quelqu'un m'explique? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, ils ont été fidèles à l'endroit de Christ qui les avait mandatés. Je n'entends pas un amen. Amen. Alléluia. Donc, il n'y a pas d'expansion sans loyauté. Parce que si un collaborateur, parce que si Paul, parce que si Pierre va, au lieu d'aller parler au nom de Christ, qui est le maître, qui est le chef de l'église, va pour fonder son église à lui. Rappelez-vous que le mot église ne commence pas avec Jésus. Le mot église, du grec ecclesia, est un terme politique grec qui fait référence à un parti. Jésus dit ceci, il dit, je bâtirai mon église. Il dit, mon église. S'il dit mon église, ça présuppose que d'autres avaient leurs églises, à l'instar de César qui avait son parti. Est-ce que quelqu'un suit? Et donc, Paul ou Pierre pouvaient aller aussi créer leur petite secte et s'éloigner de la vision de Christ. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Paul, Pierre et Jean et tous ceux qui sont allés dans la missiologie sont restés fidèles à la vision de Christ? C'est la loyauté. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. C'est la loyauté. Qu'importe le type de résultat que vous voulez avoir dans vos églises, vous avez besoin de loyauté. Amen. Lorsque j'ai commencé en tant que leader, nous avons démarré deux branches. J'étais au lycée, en classe de première. Et il y a un pasteur qui m'a dit, tu veux démarrer deux branches du coup? Même Jésus n'a pas fait ça. Mais mon petit, check. Et je m'appuyais sur un principe. La loyauté. Parce que je faisais confiance à mes compagnons d'eux. Je savais en qui, à qui je faisais confiance. Je savais qu'ils ne pouvaient pas s'élever contre moi. Donc j'ai lancé la vision. Et jusqu'à présent, ces deux églises subsistent. Le bishop de Walt Mills, un orateur africain, qui a plus de 1700 églises. Quelqu'un dit 1700. 1700. Pas 17 églises. Pas 170 églises. 1700 églises dans le monde. Comment un homme peut-il gérer 1700 églises dans le monde? Avec quel type de contrôle? Avec quel type de leadership? Grâce à la loyauté. Si vous n'êtes pas des collaborateurs, si vous n'êtes pas des compagnons d'eux, j'ai peut-être un problème avec le bon collaborateur. Donc, aidez-vous, comprenez ça, hein? C'est difficile, des mauvaises habitudes, hein, on la produire. Des mauvaises habitudes dans la polio. Donc permettez-moi, d'accord, si j'ai dit collaborateur, entendez compagnon d'eux. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, c'est grâce à la loyauté. Parce qu'il a des compagnons d'œuvre fidèles. Plus que le mot loyauté, de l'hébreu nifal signifie fidélité. Il a des compagnons d'œuvre fidèles. Et la Bible dit ceci, dans 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 1, Corinthiens 2, 4, que tout ce qu'on demande, laissez-moi vérifier la référence, des compagnons de ce qu'on attend des compagnons de c'est que chacun soit trouvé comment fidèle. Alléluia. Amen. Que chacun soit trouvé fidèle. Donc en tant que collaborateur, en tant que compagnon de ce que tu attends de vous, c'est quoi? La fidélité. La fidélité. Que quelqu'un dise la fidélité. La fidélité. Que quelqu'un dise la loyauté. La loyauté.